Alors, on a fini notre match contre Igem. Donc, on était déjà super contents à ce moment-là. On savait qu'on jouait beaucoup plus tard. On a appris, je sais pas, 45 minutes après qu'on jouait sur scène. Donc là, on était très excités, très contents. Et pour le coup, c'est une des rares équipes où on parle autant des vétos et du match à venir. Donc on a passé beaucoup de temps à faire ça. À 15h, on arrive dans le backstage. On se met donc dans nos loges, en truc privatif. On parle toujours beaucoup. Un côté excité, un côté assez sérieux, j'imagine que c'est normal dans ce cas-là. En tout cas pour nous, vu qu'on est relativement jeune et qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc à ce moment-là, on nous explique comment ça va se passer sur scène, maquillage, comment on doit interagir, etc. On nous dit faut taper knife, le knife commence. On perd le knife ou on le gagne sur cash? On perd les deux knives? Nickel. Du coup, bah bref, on sur cash, on commence terreau. De toute façon, on s'était dit, même si on gagnait. On a commencé les deux sides qu'on voulait commencer, donc c'était pas un... Ouais, on s'était dit que de toute façon, on commencerait terroriste sur cash et après sur cable, on s'est dit qu'on commencerait terroriste même si on gagnait le knife. On s'est dit que pour le coup, peut-être ils étaient pas chauds. On voulait leur rentrer dedans vraiment directement parce que on est une jeune équipe, on n'est pas aussi préparé qu'eux. Je pense que si on avait fait un jeu beaucoup trop lent, ça nous aurait porté largement plus de défauts. Et pour le coup, c'est là où Amanek, je pense, il a une bonne vision de jeu, c'est il nous permet de faire ce genre de choses, d'être beaucoup plus, je sais pas comment dire, rentrer dans les mecs, quoi. Et puis surtout, le truc qui est bien, c'est qu'on a 5 joueurs, ils jouent bien, quoi. Enfin, correctement, ils savent faire les choses. On a passé peut-être plus de temps à strater qu'à prac. Et voilà. Donc on commence le match. Je crois que ça commence pas bien. On prend le GR. Vas-y, je te laisse expliquer. Vas-y, je pars en couille sinon. Alors, le début de match contre Epsilon, c'était une catastrophe. Peut-être pas niveau gameplay, mais niveau com. Oh, j'ai rarement vu ça. Même We Got Game, quand on était dans des sales moments, j'ai rarement vu un. Ça s'engueulait, ça criait, c'était tendu. Heureusement, à un moment, il me semble qu'il y a Devo Duvet qui a planté. Il y a eu une pause du coup. Non, Devo a planté. C'était sur Cable. Ah, okay. Oui. Sur Cash, il a planté. Et là, j'ai fait bon, les mecs, vous arrêtez, calmez-vous parce que franchement, c'est pas possible. Et Amanek, ça m'a agréablement surpris, mais aussi, il était sur les nerfs, mais il a donné de la voix, mais comme pas possible. C'était. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, hein, ouais. Petit à petit, on se faisait mener 7-3, non ? 7-4, 7-3. On a gagné 8-7. 8-7, ouais. Et en fait, la com a été à l'affiche de notre niveau de jeu. Plus ça devenait calme, plus ça devenait fluide. Moins les gens ils se prenaient la tête et ça déroulait, quoi. Et même quand on n'avait pas de réussite sur un moment donné, heureusement on avait encore plus de réussite par la suite parce que ça, on pouvait commencer en 3v5. Mais je sais pas, t'as Devo Duvec ou Amanek qui pouvait te. Adji, enfin tout le monde a été. Tout le monde est sorti de. Tout le monde a eu sa réussite. Ah oui. Ouais. Et à un moment. On commence Kubble, je vais voir Girgan, première ligne du public, je lui fais « Tu peux me rendre un service ?» Et ouais, vas-y, je fais « Est-ce que quand ça commence, tu peux ambiancer le public ?» Et tu commences à faire « Platinium, Platinium !» Et à un moment, ça reprend, et là, Victor et tout, ils font « Eh mais attendez, vous entendez ?»« Platinium, Platinium !» Genre tout le public. Franchement, on avait l'effervescence, tout nous réussissait, enfin... Grosse réussite, quoi. Et on l'a pas volé notre victoire parce que c'était vraiment des scores secs. On a mis combien ? 16-8, 16-11, il me semble. 16-9 sur Kevin, non ? C'est le nom. On n'a pas pris plus de rounds que ça dans tout le tournoi. 11 rounds maximum. Ouais, c'est. Arrête de faire le mec. Coaching gagnant. voilà.
Et donc après la victoire, moi je sais que j'ai sauté. Heureusement, il n'y avait pas du vent, j'aurais pu m'envoler, mais. Franchement, c'était. Ouais, sur ce. Désolé, c'est plein de conneries qui sortent, mais on est trop contents, quoi. Je sais pas si on peut rajouter. Je sais pas si on peut faire des remerciements, peut-être, parce qu'on a remercié personne. Pour le coup, on était trop dans le forêt, donc on va remercier une nouvelle fois Platinium. Puis remercier Guillaume, surtout notre manager, qui, depuis le début même de l'aventure We Got Game, est avec nous. Et. Ouais, donc. Moi personnellement, j'ai bien envie de lui dédicacer cette victoire. Et petit clin d'œil. Ouais, voilà, tout ça. Et puis un petit clin d'œil aussi à Nel et Dorian et Vacarme, personne, les anciens de Vacarme. Ça fait plaisir de. Je sais pas, j'ai vu déjà un peu avant les matchs les commentaires sur Twitter et franchement, ça fait plaisir, les mecs. Voilà, merci à vous et merci à Vacarme encore pour ce débrief d'après-match qui avait peut-être un peu une catastrophe HF à monter.